Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 11 octobre, voici le sommaire de votre JT. Le lancement garantie performance énergétique au CD2E. Le village des sciences à Liévin ce week-end. Deuxième mapping vidéo pour la ville de Fouquier-les-Lances. Notre coup de loupe du jour, l'inauguration du centre de conservation du Louvre à Liévin. Mais tout de suite, une signature entre le département et la ville de Souchez. Depuis quelques mois, le département du Pas-de-Calais propose aux communes des contractualisations revisitées et enrichies. Il s'agit de contrats nouvelle génération qui reposent sur une vision concertée des enjeux locaux et départementaux. La semaine dernière, ce nouveau type de contrat a été signé avec la ville de Souchez qui souhaite se projeter sur la création d'un espace d'accueil de groupe à vocation touristique en lien notamment avec les sites dédiés à la mémoire. Alors la signature définit la participation de chacun à un équipement collectif qui vise à accueillir les groupes qui viennent à Lorette et qui veulent se restaurer, et au-delà, les conférenciers qui veulent expliquer ce qui s'y est passé, pourquoi ça s'est passé, et puis avec un certain nombre de réalisateurs de cinéma de France et du monde entier, de réaliser, dès que cela sera possible, un festival du film historique. Nous n'avons pas de salle suffisante, en nombre suffisant et en capacité d'accueil suffisante pour accueillir toutes celles et tous ceux, 300 000 visiteurs à Lorette par an, plusieurs dizaines de milliers à Vimy, plusieurs dizaines de milliers au cimetière anglais du Cabaret Rouge. Et nous n'avons pas de capacité, avec une commune de 2600 habitants, de pouvoir accueillir toutes celles et tous ceux qui voudraient passer un moment chez nous. Et je rappelle que cette économie touristique est une économie qui est pourvoyeuse d'emplois, d'emplois stables et d'emplois qui sont quand même nobles. Le tourisme de mémoire est un élément, mais que nous devons partager, non pas conserver sur un seul endroit, sur une seule commune, mais partagé avec l'ensemble des communes du territoire. Depuis 2002, le CD2E forme les entreprises et les territoires au développement durable, aux énergies renouvelables, à l'éco-construction et bien d'autres techniques performantes pour construire ou rénover des bâtiments. L'urgence climatique de plus en plus présente, le CD2E lance aujourd'hui la garantie performance énergétique et proposait à la presse et aux entrepreneurs de visiter ce qui a déjà été réalisé et ce qui est à venir. Ici, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus, mais on est en train de découvrir que oui, le dérèglement climatique prend un caractère d'urgence absolue et qu'il va falloir trouver des réponses. Donc le CD2E a cet intérêt qui crée des emplois, il soutient l'émergence de filières dans le domaine du bâtiment durable. L'élément peut-être nouveau, c'est qu'il y a de plus en plus de travail avec le monde de l'entreprise qui fait des partenariats avec nous pour enclencher. Je vais prendre juste un exemple, c'est la filière chanvre dans les murs, qu'on travaille avec Maison et Cité Soginorpa pour à terme aller vers, on l'espère, 2000 logements qui pourraient être isolés au chanvre. Et derrière, c'est une filière pour les agriculteurs qui le cultivent, c'est une filière pour les industries qui le transforment. Donc c'est ça aujourd'hui, c'est, je dirais, cette nouvelle étape et ce passage à l'économique de plus en plus amplifié qui caractérise l'évolution de cet outil. Un outil qui s'agrandit et qui va permettre de découvrir de nouvelles techniques de construction ou de rénovation au cœur du 11-19. On a besoin d'endroits qui soient visuels pour que les architectes, pour que les bailleurs sociaux, enfin les constructeurs au sens large, osent utiliser ces produits qui ne dépendent pas du pétrole, qui sont dans des filières locales et dont l'impact écologique est considérablement meilleur que par exemple la laine de verre qui est de la transformation du pétrole. Donc cet espace qu'on peut appeler un showroom, un endroit où on donne à voir et à comprendre, c'est très important dans le développement du CD2E. Exposer les différentes techniques, mais aussi prouver leur efficacité, c'est le but de la garantie performance énergétique mise en place lors de la visite de ce CD2E. C'est-à-dire être capable de garantir à un opérateur que s'il fait, mettons, 20 000 euros de travaux, eh bien, à l'arrivée, il aura une performance en matière d'isolation considérablement améliorée. Donc, il va gagner sur sa facture. Et la garantie de performance, c'est de lui dire, on vous garantit que vous allez gagner tant,
Du coup, ça lui permet d'oser déclencher des travaux, puisqu'il sait, par exemple, qu'en 8 ans, il aura remboursé son investissement. Et la garantie de performance, ça pose des questions de responsabilité, d'assurance, de garantie bancaire. Et c'est tout ça qui se joue ces jours-ci. Les performances ont déjà été démontrées sur Réa Futur 1 et 2 avec la rénovation d'une maison d'ingénieurs et de 6 logements de mineurs. Réa Futur 3 propose aujourd'hui aux entrepreneurs et aux particuliers de profiter de ces techniques en leur garantissant leur efficacité. Le CD2E a l'habitude de travailler avec les entreprises, accompagner les acteurs du bâtiment, accompagner les collectivités, les entreprises pour la transition écologique et énergétique, qui est un sujet dont on parle de plus en plus et qui est absolument majeur. C'est la première fois qu'on travaille avec les particuliers et il s'agit de proposer une offre de service et de mettre en relation les particuliers avec les entreprises, parce que souvent aussi, on a plus ou moins confiance dans les professionnels du bâtiment. Donc là, il s'agit aussi de faire en sorte qu'il y ait, de reconstruire un lien de confiance entre le particulier et les entreprises. Et l'idée de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, de lancer cette garantie de performance énergétique, c'est de pouvoir dire aux personnes qui veulent faire leurs travaux, écoutez, vous voulez faire des travaux, vous avez déjà prévu de mettre par exemple 20 000 euros sur votre projet, posez-vous la question, et si j'allais pas un peu plus loin pour qu'il y ait une vraie différence dans ma facture de chauffage. Et ensuite, lorsque un particulier va nous dire, écoutez, vu ce que vous me proposez, compte tenu des subventions, compte tenu de l'ensemble des éléments financiers, ben moi je voudrais bien faire des travaux à hauteur de 40 000. Si on leur a dit, ben vous allez passer à 500 euros de chauffage par an, c'est-à-dire moins de 50 par mois, eh bien on signe un contrat et on s'engage là-dessus. Et si jamais au bout d'un an, quand on voit les factures, on n'a pas atteint l'objectif, eh bien on va rembourser la différence entre ce qui était prévu et le réel, multiplié par 10. Derrière ça, il s'agit de donner une garantie claire aux particuliers et de mettre en place tout un dispositif pour permettre d'atteindre cette garantie pour le consommateur. L'hôtel de ville de Fouquier-les-Lens en pleine lumière ce week-end. Pour la seconde fois, la municipalité a confié les Fouquierois à un mapping. Ce procédé, qui consiste à projeter des animations sur la façade d'un bâtiment, a permis de présenter un spectacle sur le thème de la cuisine à l'occasion du 30e anniversaire de la Semaine du Goût. Après la Grande Guerre l'année dernière, la cuisine cette année, rendez-vous l'année prochaine avec un nouveau thème. Cette année, la 22e édition du Village des Sciences se déroule donc dans les locaux du Chalet Brandt à Liévin. Durant 3 jours, on essaye de vous faire découvrir les sciences de manière ludique, amusante, par le biais de divers ateliers. On en a à peu près 18 à vous présenter. Cette année, côté nouveauté, l'atelier 3D, le Reaper Café avec l'initiation électronique, sans oublier la fac des sports avec tout ce qui est lié aux biomécaniques. On a également notre noyau dur d'anciens, la Société d'études géologiques minières de la Goëlle, plaisir des yeux, découvertes, expériences à chaque atelier. Il y a combien de planètes dans le système solaire ? Est-ce que... 8. 8. Et toi ? 8. 8 qui dit... Cette année, en fait, pour la 22e édition, il y a toujours un vrai engouement et encore plus, parce que cette année, on a 3 nouveaux participants qui viennent gonfler, entre guillemets, le village des sciences. Donc le réseau, le bouche à oreille se fait. Le village des sciences est une manifestation attendue sur le territoire. Et en moyenne, on accueille à peu près 1500 personnes sur le week-end. Pour les ouvertures, le vendredi, samedi, 9h midi, 14h-17h, le dimanche, 14h-17h. L'entrée est gratuite.
Venez donc nombreux découvrir les sciences et apprendre en s'amusant. C'est à quelques pas du musée du Louvre-Lens que s'est implanté le centre de conservation du Louvre à Liévin. Dédié à la préservation des œuvres, mais aussi au traitement des collections, ce nouveau bâtiment est à la fois un lieu de stockage et de travail. De nombreux élus ont fait le déplacement pour l'inauguration. Le ministre de la Culture Franck Riester, le président de région Xavier Bertrand, le président de l'agglomération de Lens-Liévin Sylvain Robert ou encore le maire de la ville de Liévin. C'est une grande satisfaction parce que il y a le Louvre-Lens et sans le Louvre-Lens, il n'y aurait jamais eu le centre de conservation des collections nationales ici à Liévin. C'est une décision que l'on doit au ministre de la Culture de l'époque. Et aussi, et il faut le redire, grâce à la région des Hauts-de-France, à la région, à l'époque, elle s'appelait la région Nord-Pas-de-Calais, qui a beaucoup œuvré pour que ce centre de conservation se fasse ici, à Liévin, au cœur du bassin minier, dans les Hauts-de-France, puisqu'il y avait d'autres villes qui étaient candidates, en particulier en Seine-Saint-Denis. Il a fallu vraiment toute l'abnégation de toutes ces personnalités-là pour que ça se fasse à Liévin. Donc c'est un très beau complément par rapport au Louvre-Lens et c'est une formidable récompense pour la ville de Liévin et au-delà de la ville de Liévin pour l'ensemble de ce territoire. Un projet de plusieurs années qui répondait à une nécessité patrimoniale depuis la crue décennale de 2016. Les collections conservées au Louvre Paris doivent être préservées, comme le rappelle Jean-Luc Martinez, président directeur du musée du Louvre. Ce centre de conservation permet de mettre à l'abri du risque d'inondation donc ces collections, tout en améliorant les conditions de conservation et d'études. Il est le gage que nous travaillons pour les générations qui viennent, que nous transmettrons ce patrimoine aux générations futures. Il est aussi un lieu d'études, de recherche et participera au rayonnement scientifique du Louvre, de la France, de la région, donc en partenariat avec nos partenaires scientifiques et culturels, et notamment, bien entendu, avec le Louvre-Lens. Il forme avec le Louvre-Lens un pôle d'excellence du patrimoine français dans cette région. Un coût total de 60 millions d'euros, rassemblé par plusieurs acteurs comme le Louvre, l'Union européenne, la région, l'agglomération de Lens-Liévin, mais aussi le ministère de la Culture. Une solution pérenne pour la sauvegarde du patrimoine français, une décision soutenue par le ministre de la Culture. Une décision qui permet de pouvoir conserver sur le temps long ce patrimoine de l'humanité, dans de bonnes conditions, et le mettre à disposition d'un public le plus large possible. Bien sûr, les chercheurs, les universitaires, les conservateurs d'autres musées. C'est exceptionnel de ce point de vue-là. Ça va être un haut lieu de la recherche et de l'innovation en matière muséale. Et ça va être aussi un endroit où nous allons pouvoir, où les équipes vont pouvoir travailler à la restauration des œuvres pour qu'on puisse les transmettre aux générations futures. Cette transmission du patrimoine de l'humanité, du patrimoine en l'occurrence des collections nationales, est essentielle. Et que ce savoir-faire, que tu as eu raison de rappeler, cher Xavier et cher Jean-Luc, toi aussi, ce savoir-faire exceptionnel des équipes du Louvre, qui font la fierté de notre pays et qui sont réclamées partout dans le monde. Une fierté nationale marquée par une architecture forte, végétale et bioclimatique. Most of this is actually a big, simple, open space which has been subdivided into all of the collections and the conservation. And you may see that it takes the form of a rising park. So it begins low, builds up higher, and then creates the big glazed wall towards the sunken garden. That end is where the conservators are, and within the varying heights of the vaults that you see here, sits all the different collections of varying scales. So we had to deal with many, many varying scales. So rather than stepping it, we just inclined it up to allow the landscape to flow over the top. D'ici 5 ans, c'est près de 250 000 œuvres qui seront transférées dans ce bâtiment de plus de 18 500 m². La galerie du temps du Louvre-Lens devrait être, elle aussi, prochainement rénovée, avec l'appui de la région et de l'État, qui s'est engagé à participer à hauteur de 300 000 euros. Un nouveau projet qui marque un peu plus l'expansion culturelle et touristique du territoire.